Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. Je suis l'apôtre Alain Patrick. J'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour pasteur. Bonjour apôtre. Et j'ai avec moi le pasteur Gentil et le pasteur Darius. Bonjour, bonjour mes chers bonjour, pasteurs. Apôtre. Bonjour. Nous sommes en train de parler d'un thème très important. Nous sommes parce que on est dans une série que les internautes sont en train de découvrir hein, sur les pensées. Et vraiment, on leur a dit déjà des choses, on leur a donné des clés déjà importantes. Et aujourd'hui, on va parler de comment conceptualiser ces idées. Et comment les mettre à plat hein, pour pouvoir réussir sa vie. Bonne idée. Tout d'un coup. En fait, il fallait voir le regard du pasteur. Tout d'un coup, je me suis mis à repenser au néologisme du pasteur Darius. Ah ouais, mais il disait quoi, en fait, encore dans l'émission précédente? Je vais pas conceptualiser. Je vais pas redire. Non, mais on a vraiment vu ce thème important, la pensée, et que la pensée nous permet de créer. Et on a également parlé du subconscient, comment le fait d'imprimer, de renverser des forteresses en ciblant le subconscient. Bon, on a dit tellement de choses, mais voilà. On a dit beaucoup de choses. On a parlé également de la force des émotions. Donc on a dit que les émotions avaient une force et, la force que dégageaient les émotions venait de pouvait venir de notre éducation, de notre environnement et ainsi de suite. Oui, merci encore apôtre pour l'opportunité. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des paradigmes, on a parlé de le fait que notre culture va aussi fabriquer les personnes que nous sommes. Et on a parlé du fait qu'il y a les forteresses positives et des forteresses négatives. On parlait du fait que les mauvaises forteresses vont nous empêcher, vont repousser la parole de Dieu, mais que les bonnes forteresses de Dieu, de la parole de Dieu, vont repousser les mauvaises pensées, en fait. On a essayé d'expliquer les mécanismes. On a dit que les pensées sont des forteresses parce que elles s'enracinent, en fait. Elles s'enracinent, elles ne sont pas forcément faciles à déraciner et enlever. On a expliqué que si ça fait près de 30 ans que vous combattez contre des pensées ou que vous vivez dans un système de pensées, bien sûr, que ça ne prendra pas une semaine à renverser. Bien sûr qu'il faut être persévérant, il faut déclarer tout le temps, méditer tout le temps, etc., etc. En fait, on a vu, hein, depuis qu'on a démarré cette étude, que les pensées sont une très bonne chose que Dieu nous a donné, parce que les pensées, Dieu nous les a données pour visualiser notre monde et pour créer notre monde. Okay? Et donc, moi, j'en déduis que les pensées nous permettent d'avoir des idées. Hein? Des idées. Quelqu'un disait que les idées, c'est idées. Inspiration divine pour pouvoir créer notre monde, pour pouvoir penser notre monde. C'est vrai que nos pensées vont en fait nos pensées vont générer des idées. Et les idées, comme on peut le voir aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à s'enrichir parce qu'ils avaient des bonnes idées. Parce qu'ils avaient réussi à avoir des idées qui aidaient la société, qui aident la société et qui révolutionnent le monde d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est l'idée de quelqu'un. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été inventées, mises en place, qui nous facilitent la vie, qui nous permettent de vivre une meilleure vie, en fait. Donc, je pense que les pensées peuvent générer des idées qui peuvent vraiment améliorer notre vie et même nous rendre prospères. Enfin. Peut-être si on revient un peu à la définition que le pasteur Gentil a donnée dans l'une des émissions de ce thème, en parlant de pensée qui se rapporte au fait de concevoir, le fait de méditer. On voit que quand on se met dans cette attitude où on médite, finalement, on peut attirer vraiment des idées. Donc, la méditation dans ce domaine des pensées est vraiment importante. Moi, je pense que même on le voit avec les païens, comment ils ont su attirer des bonnes idées. On va nous dire que au ciel, les rues sont pavées d'or. Parfois, je me pose la question, mais qui a eu l'idée, par exemple, des routes sur la terre ou d'autres choses qu'on voit au ciel qui sont sur la terre? Donc, ça montre quand même que ce sont des personnes qui sont mises à méditer et tout d'un coup, une idée divine, quelque chose qui au ciel a été téléchargé par une personne sur la terre. Donc on voit vraiment l'important des pensées et surtout l'important de réfléchir dans un cadre optimal pour la productivité. Vraiment méditer, c'est comme ça qu'on attire des idées. On prend l'exemple par exemple d'Einstein, je pense on dit que le monsieur était en train de, ou bien d'autres, tout d'un coup une illumination arrive, une idée. On voit vraiment la méditation quelque chose d'extrêmement important. Moi je suis de ceux qui pensent que la richesse d'un individu ce sont ses idées innovantes. Moi je crois sincèrement parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, si vous n'avez pas d'idées vous allez devenir pauvre en fait. Exactement, et vous pouvez être pauvre mais si vous avez des idées, et encore mieux si vous
vous avez la sagesse de mettre ces idées sur pied, vous deviendrez très, très riche, en fait. J'ai discuté un jour avec mon beau-frère et il me disait, il me dit, Alain Patrick, je n'avais pas imaginé à quel point j'étais pauvre dans mes idées. Il dit, j'étais vraiment pauvre dans mes idées, je n'avais pas des idées. Il dit, dès l'instant où je suis entré en contact avec tel frère, c'est bizarre, quelque chose s'est comme passé dans ma tête et j'ai commencé à avoir des idées. Et vous savez, mon beau-frère, c'est un homme d'affaires, il a toujours des nouvelles idées. Et quand vous voyez les hommes les plus riches de la planète, ils ont des idées. C'est la même chose pour Salomon. Lorsqu'on regarde Salomon, qui était dans sa génération l'un des hommes les plus influents et plus riches, qui a stabilisé, en tout cas, son père a stabilisé, l'Aïda a stabilisé le royaume, mais durant son règne, il n'y a pas eu de guerre, parce que Salomon a eu l'idée d'offrir à Dieu des holocaustes, 1000 holocaustes. Et cette idée était tellement géniale qu'elle a provoqué la manifestation de Dieu. Donc, lorsqu'on a des très bonnes idées et qu'on sait les mettre en œuvre, surtout, on se donne les moyens de les mettre en œuvre, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, vont avoir une idée, vont se dire, j'aimerais bien semer 1000 euros. Mais ils ne vont pas mettre les moyens en œuvre pour semer. Donc, il y a le fait d'avoir l'idée, il y a le fait de disposer les éléments de sorte à ce que je puisse mettre en œuvre mon idée. À partir de ce moment-là, quelque chose arrive et la richesse se manifeste dans de tels moments. Je pense vraiment que le fait d'avoir... de savoir bien organiser ses pensées, avoir des bonnes idées, c'est non seulement une richesse pour nous, mais pour les autres aussi. Parce que, comme tu dis, par exemple, il y a une personne avec qui il est rentré en contact, et je pense que quelque chose s'est passé, il a communiqué une façon de fonctionner au niveau des idées, ce qui a fait que, désormais, il a enrichi, en fait, mais parce qu'il il lui a communiqué une idée ou une façon de fonctionner. Et je pense que, si nous arrivons à maîtriser nos idées, à mettre vraiment de l'ordre dans nos façons de penser, on peut être riche, on va même être riche. D'ailleurs, on se rendra compte que tout ce qui a été inventé vient d'abord d'une idée. Il n'y a rien qui vient tout seul comme ça. Il y a d'abord eu une idée. C'est très logique, je sais bien. C'est vrai. Mais ça vient d'abord d'une idée. D'abord, ce que j'ai remarqué, mais on voit que les pensées ou les idées sont transmissibles. Je dirais, on dirait que les idées, enfin, surtout les pensées, véhiculent une certaine énergie, en fait. Et c'est ce qui fait qu'une pensée peut être... contagieuse. C'est ça. C'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un, si on s'expose, on est dans l'environnement de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est riche, comme tu as dit, mais on va tout d'un coup, on va commencer à être productif, on va commencer à être inspiré. D'où même l'important de lire beaucoup de livres. On voit quand on lit des livres, en fait, on devient productif en termes d'idées. Et c'est comme ça qu'après, on crée des choses. Tu as utilisé un mot productif parce qu'en fait, les idées, c'est le côté productif des pensées. C'est le côté productif des pensées. Et si vous n'avez pas façonné vos pensées de telle sorte qu'ils vous donnent des idées innovantes, vous savez, je suis vraiment étonné de voir des personnes, même à l'église, il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, en fait. Ils ne savent pas du tout, en fait. C'est-à-dire que ces personnes vivent au jour le jour. Vous avez l'impression que, voilà, si vous ne leur donnez pas des idées, ils vont rien faire, en fait. Mais vos idées doivent être... En fait, vos pensées doivent être productives. Et la productivité des pensées, ce sont des idées. Vous ne serez jamais riche. Vous ne construirez jamais une vie comme Dieu la veut sans les idées. C'est important de comprendre que Dieu peut vous révéler le plan qu'il a pour vous. Et il peut le faire en une phrase. Et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Je ferai de toi un homme de Dieu puissant qui va... transformer l'image de la francophonie. Maintenant, ce qui va amener cette prophétie à se concrétiser, ça va être les idées que tu vas développer autour de cette parole prophétique, en fait. Dieu est un Dieu d'idées. Lorsqu'il va dire à Jérémie, dans Jérémie 1,5, « Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais appelé prophète des nations. » Ça veut dire que Dieu, en fait, connaît déjà ce qu'il va faire avec chacun des êtres humains. Il a déjà une idée, il a déjà un plan, il a déjà des projets. Et si nous sommes à l'image de Dieu, créer à l'image de Dieu, ça veut dire que même en chacun de nous, il y a cette capacité d'avoir des idées. C'est comme ceux qui sont des parents, en regardant ceux qui sont vraiment, qui ont plusieurs enfants, ils savent là où ils veulent emmener leurs enfants, même si les enfants plus tard vont aussi choisir ce qu'ils veulent faire, mais chacun des parents a une idée de ce que son enfant peut devenir. C'est ça. Et c'est exactement la capacité que Dieu nous a donnée, que Dieu a investie en chacun de nous. Il suffit de voir la vie même de
Jacob. Jacob, à un moment donné, va être là et il se retrouve chez Laban. Mmh. À un moment donné, il est chez Laban, il doit s'en sortir de chez Laban. Il va avoir une idée, Dieu va lui donner une idée, celle de prendre certains types de brebis et pour en donner une certaine lignée, une certaine... lignée. Oui. Et en partant de cette idée-là, il va s'enrichir et va pouvoir se détacher de Laban. Donc ça, c'est très important. Mais on voit vraiment encore une fois ce que la méditation va faire dans cet épisode de Jacob. Je pense qu'on voit que, comme l'apôtre, en fait, il avait toujours cette vision-là. Je pense qu'il savait qu'il avait une certaine destinée et il marchait toujours avec ça, malgré les circonstances, malgré les obstacles. Donc, il était toujours en train de méditer, il pensait fortement à ça. C'est comme ça, dans cet esprit méditatif, qu'encore une fois, une idée va jaillir. Parce qu'on nous dit quand même, ce n'est qu'après que Dieu va lui parler. Mais avant, on voit au moins une illumination qui lui donne l'idée de croiser, de mettre des branches d'arbres et tout ça pour créer un type d'animaux comme ceci, tacheté de blanc, de noir et d'autres. Mais c'est vraiment l'illumination. Et c'est là où on voit quand même qu'il y a quelque chose qu'on a au-dedans de nous, en fait, qui peut attirer peut-être une idée qui planait. En fait, notre âme est vraiment un aimant à idées. Quand on médite, d'où l'importance de la méditation, parfois d'être seul. Moi, j'aime bien le silence. Je pense que quand il y a le silence, cet aimant-là qui est mon âme peut vraiment crier, peut vraiment attirer des idées. Parce qu'on nous montre après, ce n'est qu'après que Dieu lui parle. Mais qui lui dit que ça va marcher de croiser, c'est incroyable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je n'aime pas perdre mon temps à penser du mal des gens. Parce que c'est contre-productif en fait. Je préfère occuper mes pensées sur l'essentiel. Amen. Parce que quand je me mets à penser l'essentiel, mes pensées deviennent productives et mes pensées me donnent des idées innovantes. Vous ne pouvez pas améliorer votre mariage sans nouvelles idées. Vous ne pouvez pas améliorer votre ministère sans nouvelles idées. Vous ne pouvez pas améliorer votre fonction au travail sans nouvelles idées. Vous ne pouvez même pas améliorer votre apparence sans nouvelles idées. C'est pour ça que l'occupation de vos pensées est extrêmement importante. Moi, je vois des chrétiens qui passent leur temps à réfléchir sur telle personne m'a mal regardé, telle personne a eu tel comportement sur moi, telle personne a eu ceci, cela. Et je dis souvent à ces chrétiens-là, mais en fait... Penser prend du temps. Il y a du temps, de l'énergie. Ça prend du temps et de l'énergie. Et c'est important. D'où la vision va également va être un facteur qui va nous pousser à être productif en termes d'idées. Quand on a un objectif, on pense tellement à ça, à un moment, les idées vont commencer à venir. C'est comme quand tu parles du ministère, ainsi de suite, du mariage. Les personnes ont besoin de se visualiser. C'est ça. Voilà ce que je veux devenir. Maintenant, quand on pense à ça, les idées pour y arriver, je pense que c'est le pasteur gentil qui dit, en fait, par on a un objectif, on est justement, on ne sait pas comment y entrer. Je pense qu'il faut toujours avoir les yeux rivés sur l'objectif. Quand on pense à ça, tout d'un coup, les idées pour y arriver vont venir. Donc, c'est important de tout se visualiser. Je veux que mon ministère soit comme ça. Je veux que mon mariage soit comme ceci. Je suis focalisé là-dessus. Quand je médite, je pense à ça, les idées vont commencer à venir pour m'amener vers ça. La visualisation maximiser, est importante. Excuse-moi, pasteur, je vais vous donner la parole. Maximisez votre temps en développant des bonnes pensées. Parce que vous savez, le temps ne s'arrête pas quand vous commencez à penser. Dans le monde physique, le temps continue en fait. Moi, j'ai vu des personnes en fait cuisiner à un moment donné. Et à la... qui est en train de cuire. Il s'arrête à un moment donné, il bug. Ils sont en train de penser, ils pensent, et là, pendant ce temps, la marmite est en train de brûler, en fait. Donc, le temps passe si vous n'utilisez pas à bon escient vos pensées. La Bible va dire que celui qui cherche trouve. Et je pense que le fait de réfléchir, pousser notre réflexion, orienter nos pensées, c'est une façon de chercher, en fait. Ça. Et lorsqu'on cherche, on trouvera forcément. C'est pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre les gens qui vont se heurter à un problème et qui vont se dire, il n'y a pas de solution. Ils vont s'arrêter là. Alors que l'idée, c'est de pousser la réflexion. Peut-être même que le problème est là pour t'aider à trouver d'autres idées. C'est ça. La plupart, il y a beaucoup de médicaments, même d'inventions qui ont été trouvées par accident. C'est-à-dire, la personne cherchait une chose, mais elle a découvert autre chose. C'est ça. Mais elle était sur le chemin pour découvrir, pour chercher, parce qu'elle avait un objectif. Elle cherchait quelque chose, mais elle découvre autre chose qui va peut-être la rendre riche ou peut-être guérir des maladies. Mais c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. L'Amérique, hein. Voilà.
cherchait l'Inde. L'Inde, il cherchait l'Inde, il découvre l'Amérique. Et du coup, et aujourd'hui, il est dans l'histoire. C'est ça. Et c'est ça. Et même, il y a beaucoup de médicaments qu'on a découverts par hasard. C'est ça. C'est-à-dire qu'on on cherchait des choses, mais on découvre autre chose. Mm-hmm. Donc, je pense que le temps qu'on doit prendre, c'est de chercher par rapport aux problèmes qu'on rencontre. C'est ça. Peut-être même que le Seigneur veut nous guider ailleurs, mm-hmm. pour découvrir autre chose, nous rendre riches, nous faire connaître, ou bien même nous permettre de sortir des problèmes bien plus grands qu'on rencontrera demain. Et c'est pour ça qu'on avait dit à l'une des émissions que parfois l'attitude va être importante, en fait. On pense, on ne doit pas être négatif, par exemple, quand on rencontre une équation à deux, trois inconnus, je ne sais pas. On doit tous se dire, il y a une solution. Amen. Et toujours avoir cette attitude méditative. Comment ça peut se faire? Même nos erreurs doivent nous apprendre. C'est assez remarquable. Et quelqu'un pouvait dire que les solutions gravitent autour de... Les problèmes gravitent autour de leurs solutions. Parfois, si tu rencontres, quelqu'un rencontre un problème, c'est sûr que la solution n'est pas loin. Mais c'est l'attitude méditative qui va donner cette illumination-là. On le voit avec Daniel, il réfléchissait, il lisait des livres, il voulait comprendre, comme l'apôtre dit souvent. C'est bon, il voulait comprendre que Dieu va parler, qu'une idée va venir. Donc l'attitude est importante. Ça, c'est effectivement très important. On se rend compte également que Abraham se dirigeait vers Canaan, lorsqu'on lit Genèse 11 à partir du verset 41, je pense. Genèse se dirige... Abraham se dirigeait... Bois de l'eau. Du jus ici, pour partager gentil. Parce que vraiment, là, Abraham, il... Hein, mais c'est intéressant, c'est un chapitre 11. Vous expliquez que Genèse... Non, Abraham se dirigeait vers Canaan. L'idée est venue d'abord d'Abraham. Et ensuite, Dieu a dit, je te montrerai là où tu dois aller. Donc, et Dieu l'a conduit là où il était déjà en train de se dessiner. Donc, c'est important de réfléchir pour trouver les idées qui vont nous permettre de déclencher quelque chose dans notre destinée. Mais tu parlais également du fait de mal voir les autres. Je pense que le fait de réfléchir mal des autres ne va pas nous permettre de les aider. C'est ça. Parce que nous sommes censés être des solutions pour les autres. Yes. Mais si tu penses mal de la personne, comment peux-tu aider une personne sur laquelle tu penses mal? Donc, c'est important d'arriver à voir les autres comme Dieu les voit, adopter le regard de Dieu, adopter le mindset de Dieu pour pouvoir aider les autres. Ça, ça va être la mentalité de Jésus, parce que Jésus va regarder Simon. Il ne va pas dire, non, mais Simon est trop changeant, comment on va faire et tout. Jésus va dire, je vais changer son nom. Et des fois, même l'appellation qu'on a des autres révèle notre système de pensée, va révéler comment on va agir envers les autres. Si on appelle tout le temps les autres, le nerveux, le colérique, le susceptible, ça va déterminer comment on va agir envers les autres. Et j'aimerais même dire encore une chose. Ça nous rend un peu, ça freine notre fibre de la productivité quelque part. Non, ça nous bloque. Ça nous bloque parce que en vérité, ce sont des pensées néfastes qui vont générer des émotions toxiques. Et les émotions toxiques ne font pas du bien à notre productivité. Pas à l'intérieur de notre productivité. C'est pas possible. Et je comprends pourquoi Dieu va dire dans, je pense, dans 2 Pierre, qu'ajoutez à votre foi tous ces ingrédients-là, la fraternité, l'amour et tout ça. C'est vraiment, on est vraiment dans l'esprit un peu des laborantins, en fait. C'est vraiment incubation. La foi est là. J'ajoute des ingrédients. Mais c'est vraiment à chaque fois. Mais après, c'est assez remarquable de voir comment Dieu est comme un laborantin, quoi. C'est-à-dire, il dit la foi et cet élément-là, mais c'est pas suffisant. Il faut mettre tous ces ingrédients-là pour produire et faire. Effectivement, Pierre va dire, quand ces choses-là sont en abondance, vous n'allez pas être ni oisif, ni sans porter du fruit quand même. Donc, on voit que c'est important de bien penser des autres, parce que comme l'apôtre vient de le dire, on aura des bonnes, dispositions de cœur qui vont nous rendre productifs, qui vont même nous aider à attirer les bonnes idées. Moi, je crois que les idées s'attirent. Il y a plein d'idées qui sont par là. C'est vrai. L'énergie qu'on va dégager, l'apôtre, je parle un peu des vibrations d'énergie, l'énergie qu'on va libérer va déterminer les idées qu'on va également attirer. Si on libère une bonne énergie, on va attirer les bonnes idées, c'est ça. Et pour revenir à ce que même le pasteur Gentil disait tout à l'heure, il y a une idée qui m'est venue. Parce que, en fait, la façon dont on va appeler les gens, dont on va les considérer, en fin de compte, les paroles reflètent des idées ou des pensées. Parce qu'en réalité, nos paroles nous sont données pour communiquer, mais ce que nous pensons et comment nous voyons les choses. Donc, à partir du moment où tu véhicules un mot qui est négatif,
en fait. Mm-hmm. Tu es en train de véhiculer une mauvaise pensée. Mm-hmm. Et à partir du moment où la personne en face ne sait pas comment esquiver ou refuser la mauvaise pensée, tu viens de lui communiquer une mauvaise façon de fonctionner. Et si la personne l'accepte, elle deviendra comme ça. Mm-hmm. Donc je pense vraiment qu'il est important que nous puissions comprendre que même les mauvaises idées, parce qu'il y a des bonnes idées, mais il y a des mauvaises idées. Aussi, il y en a qui vont décider de dire, bon, bah, comme Hitler, on va éliminer tous les Juifs. Mm-hmm. Par exemple, c'est une idée, mais mauvaise. Mais mauvaise. Voilà. Elle peut se concrétiser. C'est même concrétisé. Oui. Pas vraiment, mais en tout cas, voilà. Et donc, je pense que c'est important de comprendre que les idées vont venir, mais il va falloir que nous puissions avoir une bonne façon de fonctionner mm-hmm. pour faire la différence entre les bonnes idées et les mauvaises idées. Amen. Parce que des personnes qui ont les mauvaises idées, qui les mettent en pratique, mmh. eux, ils se disent que c'est des bonnes idées. Hein. Mmh. Ils sont convaincus de leurs erreurs, enfin, mmh. de ce qu'ils font, en fait. Donc, mais il va falloir que nous puissions avoir la parole de Dieu et toutes ces bonnes conceptions qui nous aideront à faire la différence. Parce mmh. que c'est bien d'avoir des idées, mmh. mais il faut les bonnes idées. Il faut les bonnes, oui. En fait, les pensées sont tellement importantes pour notre succès. Hein, en fait, déjà, pour pouvoir concevoir notre vie, mmh. nous la concevons dans les pensées. Amen, yes. Et après, nous passons en action. Mm-hmm. D'ailleurs, même le champ de bataille, on entend parler du combat de la foi. Amen. On voit Amen. L'apôtre Paul encourager mm-hmm. Timothée, combat mm-hmm. le combat de la foi, tout Amen. Ça. Mais où est-ce que le combat de la foi se déroule, en fait? Mm-hmm. Parce qu'un combat, il faut un champ. Yes. Mm-hmm. Il faut un champ de bataille. Mm-hmm. Il faut un champ de bataille, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Encore une fois là, le combat de la foi se mène où? Dans le champ de bataille des pensées. Voilà, donc si vous comprenez pas l'importance de discipliner les pensées, mm-hmm. l'importance aussi d'utiliser vos pensées à bon escient. Oui. En fait, votre vie se réussit ou s'échoue déjà dans les pensées. Dans les pensées. Parce que la façon dont quelqu'un pense, mm. Il va parler d'une certaine mm. façon. Mm. Et vous pouvez déjà dire si cette personne-là va échouer ou réussir. Mais parce que son langage va donner une image de ses pensées. Mm. Or, ses pensées vont montrer là où il va. C'est ça. Or, du coup, dans son langage... Et d'ailleurs, j'aime bien ce que tu dis souvent, apôtre, mm. c'est qu'il y a un langage de foi, en fait. C'est ça. Une personne qui parle espérance, qui parle succès, qui parle réussir, en fait, mm. qui persévère dans ce genre de choses, mm. il est difficile qu'elle puisse échouer. C'est ça. Parce que tôt ou tard, son langage va l'amener à Amen. Réussir. Amen. C'est exactement Amen. Ça. Amen. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on voit que le langage va produire cette énergie-là qui va attirer les bonnes choses mm-hmm. autour de sa vie. Mais c'est, j'avais déjà c'est parlé de l'énergie qui attire. Tu vois, je n'arrête pas de parler d'énergie. Hein, parce que c'est vrai que c'est au moins une image qui met toujours. Parce que ça, c'est propre au pasteur Isaac. Mais il dit que la révélation mijote. Ça mijote. J'aime tellement cette image d'énergie. Je crois toujours que l'énergie va attirer. Si c'est une énergie positive, va toujours attirer les bonnes choses, les bonnes circonstances. Je pense même en termes d'opportunités. Et j'ai bien aimé ce que tu disais en parlant du combat de la foi. Mm. Je pense qu'on pense au combat de la foi, c'est... On va essayer peut-être d'attaquer les gens. Le combat de la foi, c'est toujours maintenir les bonnes idées, les bonnes pensées, c'est les imprimer à son subconscient. C'est ça, vraiment ça. Et c'est ce que, je pense, Paul va dire dans 1 Timothée 6, combat, le bon combat, la foi. Il ne dit même pas d'abord, essaye de chasser un démon, essaye de, je ne sais pas, parler mal des gens. C'est toujours saisir la vie, confesse la parole de Dieu, maintiens ça, parce qu'il sait que quand je confesse la parole de Dieu, ça va déterminer, encore une fois, l'énergie, tout ce qui va se passer après, comment je veux me comporter, comment je veux voir les choses. C'est vraiment ça, la compassion. Joyce Meyer a écrit un excellent livre là-dessus, où elle parle de le champ de bataille des pensées. Et la Bible va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je pense qu'ici, cœur, ce n'est pas seulement l'esprit, c'est même nos pensées. L'abondance de nos pensées, la bouche va parler. Et c'est pour ça que Dieu va reprendre Sarah lorsqu'elle va rire. Parce qu'elle révélait le fond de sa pensée. L'ange parle et il va dire, l'année prochaine, la même période, tu vas avoir un enfant, elle va rire. Et il dit non, tu as ri. Et elle dit non, je n'ai pas ri. Pourquoi? Pourquoi il va la reprendre dessus? Pourtant, il aurait pu laisser passer. Mais c'est parce que le fait de rire démontrait l'absence de foi. Et l'ange dit non, je ne peux pas laisser passer ça parce que ses pensées doivent s'aligner pour produire de la foi. Et il va dire non, tu as ri. Il faut plus que ça se reproduise. En fait, il va recadrer pour que son système de pensée s'aligne à la foi. Donc, c'est très important ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, la foi ne peut être produite que par le système de pensée qu'on a. Et avant
de passer la parole. Le Saint-Esprit, une fois, m'avait montré une image très forte. C'était celle d'un cycle. Il dit que les trois dimensions de notre être, la parole passe comme étant un cycle. La parole passe par notre corps, au travers de nos oreilles. Ensuite, arrive au niveau de notre âme pour produire au niveau de l'esprit. Ça veut dire que si notre système de pensée n'est pas bon, il se peut que même la parole que notre âme a reçue ne puisse pas produire de manière effective dans notre esprit. Et comme elle est censée faire le cycle contraire, passer par l'esprit, l'âme et le corps, du coup, l'information qu'il va produire ne sera pas forcément productive. Et après, par rapport à ce qu'il dit, on voit vraiment la force de la pensée, ce qu'encore une fois la pensée dégage. Et pourtant, on voit dans cet épisode, Sarah va rire. Et pourtant, on peut dire que le rire, c'est un peu le champ lexical de la joie, bonne émotion. Mais Dieu va percevoir qu'au-delà du rire, en fait, il y a une pensée, il y a quelque chose de négatif. Donc, on voit quand même que au travers du rire, dans l'action de Sarah, il y a une énergie qui est quand même libérée, qui n'est pas une énergie de foi. Mais peut-être que c'était même un rire nerveux, lié à son incrédulité. C'était peut-être un rire nerveux. Parce que pourquoi Dieu la réprimande? C'est pas un bon rire, c'est un bon rire. Donc ça a dû quand même, peut-être même dans l'atmosphère, libérer quelque chose de négatif. On voit quand même la foi, la pensée. Donc la pensée libère une certaine vie, une certaine énergie, positive ou négative. Et ça me fait penser même à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il va commencer à parler négativement à l'encontre de ce que l'ange est en train de lui dire. Et l'ange va faire quelque chose de particulier, c'est qu'il va le faire taire. Il va dire, tu n'en parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire en fait que ça, l'ange se rendait compte que ce qu'il pouvait libérer comme parole, comme pensée, parce que c'est d'abord l'atmosphère. Exactement. ça pouvait plomber l'atmosphère et arrêter ou peut-être retarder en fait, la volonté de Dieu, la parole qui devait s'accomplir. Et à contrario, Marie, elle va poser des questions, mais tout de suite, elle va s'aligner. Elle va dire que je suis d'accord qu'il me soit fait selon tes paroles, en fait. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre que, en fait, tout ce qui va nous arriver dépendra beaucoup de nos pensées. Mais à partir du moment où nous l'exprimons, nous devons choisir d'exprimer la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans nos pensées, on peut penser quelque chose de négatif, de contraire, mais si on libère la parole de Dieu, ça va, la parole de Dieu fonctionnera. Parce que la Bible va dire que si tu crois dans ton cœur, pas dans la tête, c'est quand même particulier qu'ils ne disent pas dans ta tête, parce qu'il peut arriver des fois, tu dises, mais comment ça va se faire? Mais bon, je sais quand même que Dieu est capable. Parce que c'est ça que tu libères, et non pas ce que tu as gardé comme mauvaise pensée. Mais c'est pour ça que certains ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Le problème, c'est leur système de pensée, en fait. Parce que, en fait, l'ange a rendu muet Zacharie parce qu'il fallait que Jean-Baptiste vienne au monde et qu'il fallait que Jésus naisse parce que les temps étaient accomplis. Il s'agit là des prophéties absolues, en fait. Il ne s'agit pas de prophéties relatives, il s'agit des prophéties absolues. Or, la majorité de temps, les prophéties que Dieu va nous donner nous-mêmes individuellement, ce sont des prophéties relatives, c'est-à-dire qu'elles vont s'accomplir si on entre à l'intérieur. Et on ne peut pas entrer dans une prophétie que Dieu a donnée si notre système de pensée n'est pas en accord avec la prophétie que Dieu a donnée. Et c'est ce qui peut faire en sorte que beaucoup, en fait, n'entrent pas dans ce que Dieu a dit. Il fallait que Jean-Baptiste naisse, donc il a dit non, on va le rendre muet. Sinon, son mauvais système de pensée risque de... Parce que là, ça risque de tout bloquer. D'où l'important vraiment d'écrire la prophétie, de la confesser, pour vraiment dégager le mauvais système de pensée et faire en sorte que notre âme s'aligne avec la prophétie. Et encore une fois, on l'a dit, c'est pour ça que Dieu va changer le nom d'Abraham, pour que quand sa femme l'appelle, ça soit toujours la confession et que leur âme soit conditionnée par la prophétie. Et c'est pour ça que Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire qu'en d'autres termes, mon système de pensée va attirer des choses, soit positives, soit négatives, qui vont arriver dans ma vie. Et ce à quoi je pensais quand tu parlais, c'est que même la façon dont nous voyons les autres n'est que le reflet de la façon dont nous voyons nous-mêmes. On ne peut pas regarder les autres de façon excellente sans nous regarder nous-mêmes de façon excellente. Très souvent, on se trompe, on va se dire, non, mais quand je te regarde, j'ai l'impression que tu as des choses merveilleuses dans ta vie, mais moi, je suis certain qu'à un moment donné, tu vas forcément voir aussi le mal dans la vie des autres, parce que tu te vois forcément comme quelqu'un qui ne vaut rien. C'est pour ça que le regard de Dieu, déjà sur lui-même, en tant que Dieu, on va voir plusieurs fois, Dieu va dire « je suis ». En fait, la façon dont il se voit, il va conditionner même les gens autour de lui, même sa descendance à penser comme ça. Dis que tu es fort. Pourquoi? Parce que lui-même, il se voit d'une certaine façon. Dieu ne déprime pas. Dieu ne déprime pas. Oh non, j'ai des mains.
Oh non. J'en ai marre de la vie. Je ne veux plus être Dieu. J'en ai marre du troisième ciel. Je veux être le deuxième. Je ne veux plus être Dieu. Non, mais attends. Je me suis suivi. Non, mais. C'est non, mais vous imaginez. Incroyable. C'est pas possible. Et c'est vrai. Et, le fait et Dieu veut qu'on soit comme lui. Il veut qu'on, c'est le genre de pensée qui ne lui traverse même pas la tête. Et c'est une pensée excellente. Je pense que c'est là le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable vraiment de changer toute notre conception au point où nous pensons vraiment comme lui. Et j'aime bien ce que tu nous dis souvent, c'est que lorsque le stress ou certains problèmes arrivent tout de suite, tu as la bonne attitude et c'est devenu automatique. C'est en devenu fait. Systématique. Et c'est devenu systématique. Et c'est là la volonté de Dieu. Personnellement, quand je rencontre un problème, aujourd'hui, j'ai du mal à penser impossible. Je sais qu'il y aurait une solution. Je sais. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tellement assis en moi que j'ai du mal même à comprendre les gens qui ne trouvent pas de solution. Parce que je me dis, persévère seulement. Peut-être que ça va prendre plus longtemps que d'autres, mais ça marchera toujours. Amen. Donc, je pense que c'est tous ces concepts-là que le Seigneur essaie de nous communiquer. C'est pour que nous puissions être excellents comme lui, que nous puissions profiter de la véritable vie qu'il nous a donnée. Amen, amen, amen. Non, mais je reviens quand même sur la méditation. La vibration. Non, c'est par rapport à ce que le pasteur Gentil disait, d'où la méditation. La méditation va toujours nous permettre de voir. Il disait que Dieu dit bah, toujours « je suis ». Et Dieu veut qu'on fasse comme ça, qu'on puisse dire « je suis ». Mais qu'est-ce que nous sommes? C'est le miroir spirituel, la parole de Dieu que nous regardons. Je pense que c'est important de toujours regarder ce miroir-là. Et comme la Bible va le dire dans le 2 Corinthiens, je pense, chapitre 14, nous qui avons le visage découvert, nous regardons dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ah ben donc nous sommes transformés de la même gloire que l'Esprit a. Donc c'est vraiment important pour qu'on regarde les autres comme Dieu veut qu'on les regarde. On a besoin d'abord de regarder le miroir. Ce miroir-là déteint sur notre intérieur, nous donne une image et finalement donner une façon de penser, un langage sur nous-mêmes et qu'on peut finalement parler sur les autres. Mais effectivement, pour focaliser le débat un peu sur les idées, parce que je vous connais, vous risquez déjà de partir, sur voilà, pour focaliser le débat sur les idées, parce que revenons sur les idées. Penser de la bonne façon va donner des bonnes idées, et ces idées vont améliorer notre vie, nous donner la richesse et le succès. Nous devons donc passer du temps à réfléchir de la bonne façon pour pouvoir produire, générer ces bonnes idées. On a parlé de David, justement, j'ai parlé de David dans l'épisode précédent, qui va avoir l'idée de bâtir un temple à Dieu. Et Dieu va dire que c'est une excellente idée. Donc, cette idée ne venait pas forcément de lui, mais venait de David. Pourquoi David avait de telles idées? C'est parce que David aimait aussi profondément Dieu. Et le fait d'aimer profondément Dieu générait des idées à l'égard même de Dieu. C'est-à-dire qu'il pouvait se dire, non, mais moi, je vis dans de telles conditions. C'est pas possible que Dieu ne puisse pas... Dieu puisse vivre dans de telles conditions. Donc, notre système de pensée qui va générer la richesse ou la productivité va être liée aussi à notre amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que même quand on va bâtir une entreprise, on va créer une entreprise, on va devenir riche, cette richesse, elle va servir à qui? Elle va servir à Dieu ou elle va servir à nos intérêts? En fait, même l'amour pour Dieu va déterminer la qualité de notre richesse dans les idées qu'on va avoir. Barack Obama disait dans son amour pour la nation américaine, on lui a demandé lorsqu'il était président de la République, quelle est votre routine quotidienne pour... avoir le succès que vous avez. Barack Obama dit, je ne sors jamais de la maison et de ma chambre sans avoir pris entre 40 et 60 minutes à réfléchir sur ma journée et à penser en fait. Il y a des chrétiens qui sont beaucoup dans l'action et qui ne prennent pas le temps de s'asseoir pour réfléchir et penser en fait. C'est important, vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas des temps où vous réfléchissez. Parce que vous rencontrez des problèmes, vous avez des défis en fait. Vous savez, il y a des problèmes que vous allez vaincre en réfléchissant. Et les solutions vont venir. Et c'est là la différence entre Jacob et Ésaü quand même. Ésaü était un homme de l'action et il ne prenait pas le temps de s'asseoir et réfléchir. Jacob était un gars, la Bible dit, tranquille sous les tentes. C'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et qui méditait beaucoup. Et voyait même
comment l'ange le sort des problèmes qu'il a avec Laban. Amen, c'est la quand réflexion. Il est en train de réfléchir amen. Et méditer que l'ange vient le visiter dans le sommeil. Amen, en fait. Donc, la réflexion, prendre le temps de réfléchir dans sa journée, c'est extrêmement important. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais vous laisser, je vais vous laisser prendre la parole. Il y a un homme qui disait, en fait, que... Garde ça. Il y a un homme qui disait, en fait, que... il y a beaucoup, très peu de personnes réfléchissent, prennent le temps de réfléchir. Et, mais la grande majorité, il y a certaines personnes réfléchissent mal, mais il y en a d'autres qui ne réfléchissent même pas du tout. Ouais, qui ça qui c'est vont vrai, réfléchir hein. peut-être deux ou trois fois dans l'année. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils doivent, ils sont, il y a le train du travail, ils sont en train de bouger dans tous les sens, etc. Machin. Et du coup, ils n'ont pas le temps de prendre, de s'asseoir et de réfléchir. Simplement, j'aimerais aussi dire que il faut aussi faire attention au sujet de notre réflexion. Parce que c'est une méditation. Parce que les gens arrivent quand même à méditer aussi le mal. Mais ça ne naît pas comme ça. C'est ça. Le truc, c'est d'où... Les gens peuvent être ingénieux même ingénieux dans le mal. Dans hein. le mal, la vie parle de ça. Et d'où l'importance, du coup, de lire la parole de Dieu pour que nos réflexions soient, en fait, autour de la parole de Dieu. Parce que ta réflexion viendra sur la base de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Tu ne pourras jamais réfléchir sur des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues. Donc, en réalité, pour bien réfléchir, il faut que tu puisses d'abord regarder les bonnes choses et entendre les bonnes choses, pour que ta réflexion soit productive selon la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Je pense que oui, c'est vraiment ça. Il faut que nos pensées, notre réflexion ne soient pas dans le champ de l'ambition. Il faut toujours, pour être vraiment bien, il faut toujours réfléchir en fonction de la vision que Dieu à donner nous a donné. Pour notre vie. Je pense que c'est ce que Dieu veut. Et ce qui est... Tu parlais un peu de Jacob et Ésaü. On voit parfois, il y en a, ils doutent un peu de leur façon de procéder, de se dire que tiens, bon, je réfléchis, je ne vois pas encore des choses. Mais je pense qu'il faut qu'on perce dans la réflexion. On voit comment Jacob, à un moment, il réfléchit. Ésaü était très pragmatique, peut-être voir certains fruits. Mais Jacob a quand même eu le temps de bien méditer, de réfléchir. Et ça montre, tu parles de la richesse, qu'une idée, qu'on conçoit bien, on prend le temps de l'accompagner, peut amener une accélération dans notre vie. Non, mais c'est clair. Hein? Donc, les gens veulent toujours voir parfois le fruit tout de suite, des trucs être très pragmatiques, touchés tout de suite. Mais ils ne savent pas que c'est important de réfléchir. Que quand on est dans la réflexion, la pensée, on est quand même dans la dimension du surnaturel, de l'esprit. Et que quand on conçoit, les choses peuvent aller très, très, très vite. Quoi. Et la réflexion va nous aider à être très productifs. Lorsqu'on regarde la vie de Paul, la Bible va quand même nous dire que lorsque Dieu le rencontre sur le chemin de Damas, il avait des lettres avec lui. C'est ça. Lorsqu'il va se convertir, Dieu va utiliser quoi ? Ce qu'il avait déjà. C'est ça. Pour qu'il soit plus productif. Amen. C'est ça. En fait, j'ai remarqué que très souvent, certaines personnes vont me dire « Oui, mais je ne sais pas ça à quoi Dieu m'appelle. » Moi, je fais un exercice très simple. Qu'est-ce que tu es capable de faire ? Ce que tu es capable de faire est le reflet de ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu sais déjà parler, ça veut dire que certainement, il y a des capacités oratoires Tout qui sont au-dedans de toi. Exactement. Et ça, ça nous aide en fait à être productif et à devenir riche parce que la richesse est au-dedans de nous. Amen. Dieu ne va pas tirer une richesse qui va tomber du ciel parce que lorsqu'il nous a créés, il a déjà tout investi au-dedans de nous. Donc, la réflexion nous aide aussi à faire un bilan sur nous-mêmes et à faire une introspection, à savoir qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce que supposons que tu ne connais rien, je ne sais pas moi, peut-être en mécanique, le temps que tu vas prendre pour t'instruire dans ce domaine-là sera plus élevé qu'une personne qui s'intéresse déjà au sujet. La personne qui s'intéresse au sujet aura plus de facilité de s'introduire déjà dans le domaine. C'est et c'est pour ça qu'en fait, les capacités que Dieu nous donne sont très importantes pour notre richesse future. J'ai remarqué que les gens... également des idées. Non, ils ont plein d'idées. C'est vraiment important d'avoir une vision, de méditer là-dessus. Parfois, on parle de la richesse. Quand on médite, on réfléchit, on pense. Parfois, on va être beaucoup plus sensible aux opportunités qui correspond à ce qui fait l'objet de nos pensées, que quelqu'un qui ne médite pas, qui ne pense pas. Les opportunités peuvent se présenter, la personne ne va pas reconnaître les opportunités et puis passer à côté. Par rapport à ce qu'il dit aussi, j'aimerais souvent, j'avais remarqué ça à la base dans un jeu vidéo, lorsqu'on achète une voiture, on va avoir tendance à voir cette voiture partout. Et on va se dire, mais purée, ou bien quand on commence à penser à une voiture, à une certaine marque qui nous intéresse, on va commencer à la voir partout, en fait. Si un ami a acheté une voiture, on va se dire, mais purée, mais en fait, maintenant, tout le monde achète ces voitures-là. Non, c'est juste parce que tu as tourné tes pensées vers ce type de véhicule. Maintenant, tu commences à le voir partout. Et c'est exactement la même chose dans notre réflexion. Tu seras seulement capable de voir les solutions à partir du moment où tu auras orienté tes pensées vers cette problématique. Pour rejoindre ce que le pasteur Gentil disait,
qu'une personne qui s'intéresse déjà à un sujet, par exemple la mécanique, mm-hmm. aura tendance à apprendre beaucoup plus facilement que celui qui veut se découvrir une passion, par exemple. Mm-hmm. Et en général même, la personne qui s'intéresse déjà, inconsciemment, elle a déjà commencé à s'en former mm-hmm. et à se former, en fait. Mm-hmm. Et souvent, ces personnes-là, souvent, on va se dire, mais en parlant, par exemple, de la musique, on va se dire, mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Elle va mm-hmm. dire, non, j'ai toujours su faire ça. Non, elle ne se rend pas compte qu'à un moment donné, elle l'a appris, mm-hmm. mais parce que c'est sa passion qui l'a conduit, c'est le fait qu'elle soit intéressée à ces choses-là qui l'a poussée déjà à apprendre. Mm-hmm. Tout ça pour dire, en fait, qu'il faut qu'on prenne le temps de choisir le sujet de nos réflexions mm-hmm. et quand on les choisit, parce que plus tard, ça va développer des idées. Mm-hmm. On est en train de vous dire que vous devez utiliser vos pensées, en fait, pour améliorer votre vie. Et là, vous allez améliorer votre vie de deux façons. Hein. La première façon, c'est en trouvant des solutions à vos problèmes, hein, en réfléchissant. Mm-hmm. Et la deuxième façon, c'est en innovant. C'est important de comprendre que la qualité de vie dépend vachement de l'innovation. Hein. C'est parce que les gens ont innové mm-hmm. que notre vie aujourd'hui est meilleure Amen. Qu'il y a 200 ans, qu'il y a 300 ans. Amen. Donc, il y a le fait de résoudre les problèmes, mm-hmm. mais il y a le fait d'innover. Mm-hmm. Donc, quand tu réfléchis rien que pour résoudre les problèmes, mm-hmm. ta vie n'avancera pas plus vite que celui qui réfléchit mm-hmm. aussi pour innover. Mm-hmm. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que vous devez innover. Innover, c'est amener quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Apporter sa pierre sur la terre. Mm-hmm. C'est important de voir que la lumière, quelqu'un a pensé à ça, en fait. Mm-hmm. La voiture, quelqu'un a pensé à ça. Mm-hmm. Ça existait sous une autre forme. Mm-hmm. Même la charrette, mm-hmm. quelqu'un a dû penser à la charrette. Et mm-hmm. ça a innové, ça a changé la vie des gens. Mm-hmm. Et quelqu'un s'est dit, bah, tiens, au lieu que ce soit des chevaux, on peut penser à une mécanique mmh. et un carburant qui va pousser la charrette au lieu des chevaux, en fait. Mmh. Quelqu'un a pensé, quelqu'un a innové. C'est Amen. Important que vous puissiez utiliser vos pensées Amen. Pour que vos pensées puissent innover mmh. dans votre département, innover mmh. dans votre lieu Tout de travail, innover Amen. dans votre culte, oui. innover. Oui. Parce que beaucoup de pasteurs ont du mal à faire grandir l'Église oui. par manque d'innovation. Et vous savez que même dans les œuvres de Dieu, mm-hmm. même dans la manifestation de la puissance de Dieu, les prophètes ont pensé à l'innovation. Mm-hmm. Même Jésus a pensé à l'innovation. Est-ce que vous voyez yes. ça? Attendez, vous vous rendez compte que devant la mer Rouge, Moïse va diviser. Mm-hmm. Va diviser l'eau. Élie va venir avec son mm-hmm. manteau, il va diviser le Jourdain. Mm-hmm. Élisée va prendre le même manteau, il va diviser le Jourdain. Jésus va se pointer devant l'eau, il va innover. Au lieu de diviser, il va marcher. Mm. Et nous, quand on lit ce texte-là, ça booste notre foi, yes. en fait. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Yes. Et il y a quelque chose de plus pertinent. Amen. Donc, notre vie, on doit innover. On doit tout le temps innover. Même dans la manifestation de la puissance de Dieu, Amen. C'est important d'innover. Je pense que l'une des clés peut-être de ça, c'est encore une fois vraiment, et Proverbe a beaucoup parlé, la réflexion, la méditation. Je pense que quand on médite, qu'on peut vraiment innover, qu'on peut recevoir des idées, que le génie opère en nous. Exactement. Être dans un cadre. Je m'étonne beaucoup, les gens qui sont toujours des endroits tout en bruyant, je me dis, mais la méditation n'est pas... On voit même le prophète Isaac, quand Rebecca arrive, la Bible nous dit qu'il méditait. Il méditait dans les champs. Parfois les gens méditent, mais il y a beaucoup de bruit partout. Je dis, mais comment vous pouvez méditer? La méditation, c'est un cadre où tu fais travailler ton homme intérieur pour recevoir des idées. Et on nous parle, même les gens du monde, innovent comme ça, reçoivent c'est des vrai. Idées. Même on nous parle de Carl Lewis, lui c'est le sportif, on nous parle de Lévi-Strauss. Comment il voyait des gens exploiter l'or. Ils n'avaient pas des tenues conséquentes, adéquates. Il était en train de les regarder. C'est comme ça que Lévi-Strauss, le jean aîné, dit, mais il peut peut-être exploiter l'or avec quelque chose. Donc, il était là en train de réfléchir, en train de... Mais je pense que c'est vraiment la méditation, la réflexion qui nous permet d'être illuminés, de recevoir. Et je crois que Dieu est quand même la source des bonnes idées. Parce que je crois quand même que tout ce qu'on voit sur la terre est déjà au ciel. Hein. Par exemple, le vestimentaire. Bon, on voit Lévitique, Dieu va parler de même du caleçon des sacrificateurs. Mais c'est Dieu qui le fait. Mais ça vient du ciel. Je pense que ce que Dieu nous veut, c'est pour ça qu'il insiste à la méditation. Pourquoi il dit même à Josué, médite jour et nuit? C'est parce que pour conquérir Canaan,
C'est ça. Il faudrait être ingénieux. Mm. Quand il y a un obstacle, il faut voir comment contourner ça, comment amener le peuple, comment ainsi, comme Moïse le faisait également. Tu as parlé de comment il va diviser la mer rouge en Dieu. On va peut-être... En deux. En deux. My God. Donc on voit même quand, même si les gens vont dire qu'il a crié face à la mer rouge, mais il crie quand même à Dieu, il est quand même en train de méditer, mais tiens, il y a l'eau, il y a l'armée qui arrive derrière, on va faire comment? Il réfléchit quand même. C'est comme ça qu'il va, le génie va s'exprimer, il divise l'eau en deux. C'est vrai, apôtre, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Jésus, les gens vont dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà. Ça veut dire que même dans sa façon de parler, il innovait. En fait. Il ne parlait pas, non pas comme les pharisiens. Ils vont le comparer, ils vont dire, mais en fait, on a l'habitude d'entendre des gens enseigner d'une certaine façon. Mais lui, quand il vient enseigner, il parle avec autorité, il parle avec révélation, il parle de manière différente. Et même nos victoires sont liées à notre innovation. Moi, ça me rappelle l'histoire de Gédéon. Gédéon a 22 000 personnes. Dieu va sélectionner jusqu'à 300 pour emmener la victoire. Ça veut dire que même les victoires que Dieu va nous emmener, ne dépend pas de la façon dont nous on va les concevoir, ça va dépendre de l'innovation qui est liée à Dieu. Et même Jésus, pour venir à Jésus, parce que c'est vraiment le pro de l'innovation, il va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, en quoi serez-vous différent? Donc, autrement dit, innovez. Faites ce que personne ne fait, en fait. Et je pense vraiment, c'est ça, si on développe l'innovation, le fait de chercher à faire toujours différemment, on va vraiment réussir beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui s'enrichissent, ils innovent. Ils vont prendre une idée, ils vont la customiser pour faire quelque chose de meilleur. Mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire si on veut lancer une entreprise qui réussit. Innover. Il y a que les chrétiens qui ne comprennent pas l'importance d'innover. C'est pour ça que le monde prend l'ascendant sur nous, l'ascendant sur nous. Parce qu'en fait, le monde a compris l'importance d'innover. Nous sommes là à l'église, on chante tout le temps les vieux chants, avec la vieille musique, tout le temps. Non, c'est vrai. Et on est toujours dans les vieilles méthodes. On est déjà dans l'ère de l'information. C'est-à-dire que les âmes, il faut aller les chercher sur les réseaux sociaux. Nous sommes encore allés en train de faire le porte-à-porte, en fait, c'est important d'innover pour pouvoir avancer, en fait. C'est vrai. Ah, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. En tout cas, bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, on espère que cette émission vous a donné de nouvelles idées. Je sais qu'il y a des personnes qui nous ont regardées, qui ont eu des idées d'entreprise. Mes chers frères et sœurs, quand vous allez monter ces entreprises-là, je déclare et je prophétise que vous allez réussir au nom puissant de Jésus. Lorsque vous serez au Palais Royal. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a une chaîne de télé qui vous a fait du bien, ok? N'oubliez pas qu'il y avait les modestes serviteurs de Dieu qui étaient là en train de vous parler de la parole de Dieu. Pensez à soutenir Évangile TV si cette émission vous a vraiment fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via les commentaires qu'il y a juste en bas du player si vous regardez cette émission à travers YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner maintenant afin que vous receviez les notifications des prochaines émissions pendules à l'heure. Cette série n'est pas terminée. On va encore partager beaucoup de bonnes choses sur le contrôle, la maîtrise de nos pensées pour pouvoir réussir notre vie. J'étais accompagné du pasteur Isaac, du pasteur Gentil et le pasteur Darius. L'émission s'appelle Pendules à l'heure. Vous pouvez nous retrouver sur les applications mobiles Android, iPhone, etc., etc., tout pour votre bénédiction et l'édification de votre foi. Nous vous disons à bientôt.